Gonzaga quand c'est un nom qui fait rêver, fantasmer. Vous voyez tous ces trophées de champions d'Alakani, Zarkava, pour ne citer que, évidemment. Et je suis avec Georges Rimo. Georges, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, et vous-même? Très bien, merci beaucoup. Charm Spirit et d'Alakani, deux nouveaux étalons, Ouara de Bonneval. Quelques petits mots sur Charm Spirit, le premier? Eh bien oui, Charm Spirit qui est dans sa deuxième année de monte en hémisphère nord et sa troisième worldwide, puisqu'il nous arrive de Nouvelle-Zélande, où il a fait donc sa deuxième année de monte là-bas. Donc c'est un cheval qui a été extrêmement populaire en Europe l'année dernière, qui a saillé 138 juments et qui va saillir sans doute la même chose ici cette année. Donc on est très content de l'avoir. C'est un cheval fils d'Invincible Spirit, d'une fille de Mongeu, donc un croisement assez efficace. Les éleveurs français savent le reconnaître et l'utilisent. Vous-même, vous avez mis des juments à Charm Spirit? Oui, bien sûr, on a des juments qui sont à Charm Spirit. On va en avoir une demi-douzaine à peu près. Ce qui est pas mal, puisque c'est ce qu'on utilise généralement sur chacun de nos étalons, quelquefois un peu plus ou un peu moins en fonction des besoins en réalité. Mais c'est un cheval qui nous intéresse beaucoup et c'est pour ça qu'on a demandé est-ce qu'il vienne chez nous. Il m'a toujours plu en course, très bon cheval de course, très fort, très dur. Très bagarreur, enfin vraiment un bon cheval. Et d'ailleurs, je crois que Freddy Head le dit dans les quelques témoignages qu'il a pu faire. Donc voilà, ravi de l'avoir. D'Alakani arrive lui aussi de l'hémisphère sud où il a fait une saison de monte. Depuis combien de temps il fait la saison de monte dans l'hémisphère sud? Et ça fait 3 ans qu'il a fait qu'il faisait l'échange donc hémisphère nord, hémisphère sud, au départ de l'Irlande et aller en Australie, à Cornerstone Stud, dans le sud de l'Australie. Ça s'est très bien passé puisqu'en réalité, c'est typiquement le genre de cheval qui croise très bien avec ces souches australiennes un petit peu robustes, un peu pas communes, mais voilà, c'est le croisement idéal en fait entre Darshan et les courants de sang australiens, très marqués par Dan Hill ou d'autres chevaux coloniaux tels qu'on le dit en bas là-bas. Et plutôt un bon mariage. Et d'ailleurs, les quelques yearlings qui sont passés en vente ont été très bien reçus. Merci beaucoup, Georges. On rappelle, Charm Spirit et d'Alakani font la monte aux côtés des confirmés et pairs de groupe 1, McPhee et Siouni. Merci, Georges. Merci.